voit par ici. Donc à côté ici, vous avez les deux premiers chauffeurs qui ont conduit ce tracteur en 1949. Donc c'est le Mack DR40 de Francis II, deux cylindres, qui a été restauré par Gérard Taveau de Saint-Christophe-de-Miroir. Donc en deuxième position, nous avons un Spire 180 de 1947, un deux cylindres diesel de 28 chevaux. Et il nous vient de Saint-Sulpice-de-Verdon. Il est suivi d'une société française Texan de 1950 à 45 chevaux monocylindre et une tracteur vie à 12 sites. C'est ce tracteur de 5 et 7 millions. Nous avons une autre société française, c'est la société française 402 de 1954. Un filial, il nous vient de Saint-Sulpice-de-Verdon. C'est un société française 302 de 1954, un 30 chevaux, avec Gérard Leger, notre nom. Nous avons à présent un Renault 322 de 1956, à 22 chevaux, 10 cylindres. Il a un Philippe Allanger de 516 millions. C'est un Sommetor, le Somme 20 de 1957. C'est à 20 chevaux, 10 cylindres. La Julien Molot de Solan. En faisant, nous avons FPL 514 de 1957, c'est un 30 chevaux piscinale à Edmond Bouillard de Saint-Sulpice-de-Verdon. Thank you.
enfin, nous avons le SS30, Monsieur Sarkisson, de 58, 30 chevaux, 4 cylindres, à Jacques Rabillot, de Maché. Maintenant nous avons un Cornic 135G de 1959. Il fait 22 feux, c'est un 10 cylindres à Jean-Pierre Arceau de Chalon. Nous avons un Mastéaris Tony 820 diesel. C'est un 18 chevaux, 10 cylindres. À Nicolas. Lantini 3000 de 1960, 28 chevaux, 10 cylindres, à Edmond Bouillard de Saint-Sulpice, produit par Fabrice. Alors maintenant, c'est à Lantini. 1954, 25 chevaux, monocylindre, c'est un tracteur à boucle chaude, à Jean-Pierre Girardeau. Le constructeur. Nous avons le Fortune Super Dexta de 1961. C'est un 3 cylindres diesel de 35 chevaux à Philippe Ballanger de Saint-Christophe-Vigneron. Maintenant, c'est le Massé Sacusson 42 de 1962, 40 chevaux, 3 cylindres. Il est conduit par Evelyne, qu'on peut applaudir pour son courage quand même. Bravo Evelyne. Et à Pascal Sportivo de Chalon, le tracteur. Donc maintenant nous avons le 140 Beau de 1961, qui a 45 chevaux, 4 cylindres, et Joël Le Duan de La Grand-Hache.